général. Capturer l'objectif. Salut à tous, c'est Nijib1306 pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial. Effectivement, on va parler de notre chaîne YouTube. Alors il y a eu un problème récemment avec notre chaîne YouTube. On s'est fait pirater de notre chaîne. Donc on a perdu pas mal de vidéos, plus de 60 vidéos. On a perdu pas mal d'abonnés, on a perdu pas mal de vues. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous n'arrivent pas, j'ai eu des échos comme quoi vous n'arrivez pas à retrouver les vidéos en question que vous voulez visionner, ou qu'il y a des vidéos qui ont été supprimées. Eh bien c'est à cause de ce piratage. Donc qu'est-ce que je voulais dire malgré cet incident. Donc on lâche pas le steak, on est toujours là. Et on est là, on lâche pas le steak comme des soldats. Et je vous représente ce gameplay. Donc ce gameplay est un peu vieux quand même. C'était à l'époque un gameplay de Mighty Me qui a fait du 169-15. Si je dis pas de bêtises, pour ceux qui s'en souviennent, avec les positions de la tortue, toi-même tu sais. Donc je vais pas me focaliser sur les atouts, faire une analyse tactique, tout ça. Parce que maintenant c'est Nuketown quoi. Qui ne connaît pas Nuketown depuis Black Ops? Donc je pense que ça va pas trop le faire. Et je vais juste commenter ses déplacements et commenter la manière dont il joue. Et donc retirer des distances critiques. Donc commenter pour avoir des distances critiques. Et puis voilà. Donc il joue MSMC. Déjà MSMC bonne arme. Donc bonne arme compétitive, puisque notamment je vous en parlerai, la MSMC est très utilisée en compétition, même si pour ma part je préfère la MP7. Donc MSMC, on parle de donc MSMC, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? On va partir sur ce constat. Nuketown, combat rapproché, donc la classe, les classes disponibles, SMG, fusil à pompe, AR. C'est pas trop conseillé, vous voyez là le mec il est à l'air, il s'est fait complètement casser en deux. Mighty Me qui vient de recevoir un Kinder Surprise. C'est toujours ça fait toujours plaisir le Kinder Surprise. Donc là vous voyez encore une fois le mec il a pas le temps de réagir avec l'air, il s'est fait casser en deux. Donc on va parler des streaks. Qu'est-ce qu'on entend par les streaks? Donc on entend Lobstar, DAF de combat et groupe de chasse, merveilleux spawn. Merveilleux spawn de Mighty Me dans le spawn ennemi. C'est pas moi, j'aurais fait ça. Perso, je pense qu'il a un petit peu pété les plombs. Bref, donc pour vous dire aussi que moi, je prépare mon retour. Donc, je pense que je vais arrêter les vidéos sur ma chaîne et continuer par le biais de la chaîne de ma team, parce qu'on a justement plus de visibilité et donc c'est mieux pour nous que de se dilapider. Enfin, personnellement, je préfère que c'est mieux pour moi de nous diviser en plusieurs chaînes et donc on perdra en efficacité. Donc là, vous voyez, il prend une AR. Bah. Quelle a été l'erreur de Mighty Me? Alors, sur ce point, son erreur, ça a été de vouloir trop chercher le frag. Là, il est près du spawn, il n'est pas du tout... il a un point de vue, il est en hauteur, donc certes, il peut avoir un avantage par rapport à ses adversaires, mais il a découvert. Ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour lui de rester dans la maison en fait, et d'essayer de faire du spawn kill à l'intérieur de la maison. Donc vous voyez là, en parlant, et c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire du spawn kill avec une AR dans une maison, et ça va beaucoup mieux. Donc là il nous chie un petit peu. Donc vous voyez, il enchaîne les kills. Problème, il a pas joué avec il ne joue pas avec PR. Donc ça, c'est une deuxième erreur à souligner. Toujours jouer avec le combo PR et robustesse. C'est juste indispensable. Parce que sinon, si vous jouez soit avec robustesse, soit uniquement avec robustesse, ou soit uniquement avec PR, vous allez être tôt ou tard confronté à des situations un petit peu emmerdante, si je pourrais dire, puisque vous allez sans robustesse, vous allez avoir du mal à gagner vos duels. Et sans pierre, vous allez avoir du mal à terminer vos streaks, sauf si vous ramassez une arme par terre. Mais bon, personnellement, je préfère pas ramasser d'armes par terre, parce que c'est plus de la chance qu'autre chose. Il suffit que vous tombiez sur
je vais parler en termes d'expérience professionnelle, en temps d'expérience personnelle, s'il suffit que vous tombiez sur vous ramassez une arme et que vous tombiez sur une MSMC thermique ou détecteur de cible, je déconne pas, j'en ai vraiment vu, vous allez être dans de beaux draps. Donc en parlant de beaux draps, Timmy débloque ses scores stricts. Donc là par exemple, première chose positive à souligner, il a attendu d'avoir tous ses streaks pour les balancer d'un seul coup. Mais effectivement, généralement les gens quand ils ont leur streak, leur premier streak, ils se précipitent pour l'utiliser, hormis quand on prend pas en compte bien sûr les scores stricts tels que les drones, les drones de brouillage ou les microstations, puisque ça va nous permettre justement de débloquer les prochaines séries. Donc là il a attendu d'avoir tous ses streaks. Et là il va faire le ménage tout simplement. Donc après maintenant il n'y a pas grand chose à commenter. Pour l'instant on va dire il y a une période de vide. Vous êtes pas aveugle, il voit les ennemis sur la microstation, il se jette, voilà, petit spawn kill. Là vous voyez, très intelligent de sa part, il a utilisé le décor. Ce que je remarque aussi, c'est qu'on n'utilise pas assez les décors. Je vois quand on parle pas en ligue, parce que quand on est en ligue c'est des règles compétitives et tout, mais les joueurs ont ce réflexe, mais quand on joue entre guillemets en normal, les joueurs n'ont pas tous ce réflexe, et donc c'est dommage pour eux, parce que des fois ils perdent leur streak, ils se font casser leur streak bêtement. Donc là aussi pareil, période de vide, Timmy il utilise ses streaks, il n'y a rien de folichant à commenter, ça se tranquille. Donc de mon côté, moi je vais en profiter pour faire une petite parenthèse durant cette période de vide. Je compte bientôt vous proposer un gameplay que j'ai fait en ligue, au fusil à pompe. Je suis en train de régler les derniers préparatifs techniques afin que le gameplay soit le plus agréable possible. Et je pense que vous allez être surpris de la puissance, de la surpuissance du fusil à pompe en ligue. Alors vous allez me dire, ouais, fusil à pompe en ligue, c'est pour les noobs, le fusil à pompe, il n'y a aucun shoot, il n'y a aucun skill à avoir. Ben déjà, pour les gens qui pensent comme ça, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça, le fusil à pompe c'est ce qu'il est, déjà de 1, c'est pas parce que c'est un one shot au corps à corps que c'est pas ce qu'il est. D'ailleurs, un fusil à pompe, c'est censé vous tuer au corps à corps avec une seule cartouche, voire deux grand maximum. Et deuxièmement, il faut savoir gérer ses déplacements. Si vous rushez comme un gros idiot en plein milieu de la map, vous allez vous faire dessouder trop facilement. Vous allez vous faire casser en deux. Vous allez rager plus qu'autre chose. En ligue, je vois bien, en ligue, bien sûr. Et troisièmement, ça permet de protéger très 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 efficacement les objectifs. On prend un exemple typique, en point stratégique, il y a un ennemi qui arrive en conflit, donc que ce soit une SMG ou une AR, si vous arrivez au fusil à pompe, vous aurez déjà l'avantage et vous allez avoir de très grandes chances de non seulement de tuer le mec et de garder votre objectif, de gagner des points, de débloquer vos score streak. Après, tout est une question de goût, de choix personnel, mais moi je trouve que le fusil à pompe, il y a des choses à creuser avec en ligue. Après voilà, tout est relatif, un fusil à pompe contre une AR ça fait rien du tout, donc voilà. Après peut-être que les gens sont un petit peu trop de mauvaise foi, et ils le sont sûrement. Donc après cette parenthèse fermée, donc Timmy avec ses streaks débloque de nouveau ses streaks. Newton est aussi connu déjà pour ses scores stricts dévastateurs, parce que la map est vraiment toute petite. Si vous, je me rappelle à l'époque de Black Ops, si vous balanciez par exemple une frappe de napalm, vous étiez quasiment sûr de faire des frags, par exemple une frappe de napalm, une frappe de mortier. Et ce qui était vraiment vraiment bien aussi, c'était le combo Yui chien, qui permettait vraiment de faire le clean sur la map et de retourner n'importe quel type de situation.
C'était vraiment vraiment bien. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de pourquoi je parle de l'ancien Black Ops. Et bien figurez-vous que ça entre dans la thématique rétro de notre vidéo, parce que cette vidéo était justement disponible sur notre chaîne récemment, enfin sur notre chaîne avant qu'il y ait le piratage. Donc c'est un petit peu retour aux sources, et donc ça s'inscrit parfaitement dans le retour aux sources. Donc il y a tout ça. Tout ça contribue justement à l'alimentation de la vidéo, donc le fait que je parle de l'alimentation de la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je viens de partir en cacahuète lifestyle. Oui, j'ai bien dit cacahuète lifestyle. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, vous voyez, vous êtes pas aveugle, Timmy est en train de faire un carnage. Et ce qui me surprend le plus, c'est que personne rage quitte. Si personne rage quitte, et ben c'est super. Puisque c'est tellement rare maintenant. Maintenant, je parle à cette époque. À cette époque, je crois que c'était il y a un an et demi qu'il y avait ce gameplay, si je dis pas de bêtises. Il y a un an et demi, maintenant, c'est-à-dire le 6 décembre. Le 6 décembre, n'importe quoi. Le 6 juillet. Les comportements sont les mêmes. C'est vraiment très rare de poser ses score streaks et de pas avoir un rage kit des familles en face. C'est vraiment très énervant, quoi. Moi personnellement, j'ai arrêté de jouer avec des streaks très élevés. Pourquoi? Parce que je vous entends tout de suite dire ouais, mais parce que t'es trop mauvais, t'arrives pas à faire tes streaks. Mais non, parce que quand vous mettez une micro station et que vous enchaînez tout de suite après sur un autre star, et ben les gens quittent. Alors là, Timmy a eu de la chance, il est tombé sur des joueurs fair play qui sont restés jusqu'au bout. Mais on n'a pas tous cette chance, et surtout la chance et cette chance de tomber sur des joueurs qui ne rage quittent pas, qui restent jusqu'au bout. Même s'il y en a quelques-uns dans la barre des feeds, comme vous le voyez, c'est vraiment triste, quoi. Mais alors en ligue, je vous raconte même pas encore. En ligue, ça se comprend un peu plus, parce que quand vous avez des coéquipiers qui sont vraiment bidons, mais quand je vous dis vraiment bidons, vous avez pas envie de rester, ce qui est tout à fait normal, même si vous prenez une probation. Mais là, voilà, il y a aucun intérêt, il y a pas de classement, et c'est juste quoi, ben de l'amusement, quoi. Une partie normale, vous allez pas gagner la côte championship, vous allez rien faire, quoi. Si vous perdez une normale, c'est pas la mer à bord. Donc là, Timmy vient de se faire sauver par Kevin, quand je disais que le travail d'équipe est important. Donc en parlant de l'équipe aussi, vous voyez qu'ils sont tous en drone, microstation et drone de brouillage ou système UEM pour certains. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a essayé plusieurs fois de faire des gameplays comme ça. Alors il y en a un qui vous dit oui, je joue en microstation, drone brouillage et microstation, et finalement il n'a pas pris les bons streaks. Donc du coup c'est pas lui qui fait le gameplay, etc. Donc là ça a bien marché. On a eu tous les éléments, l'équipe qui s'est bien comprise, parce que des fois il se peut qu'il y a des conflits au sein d'équipe. Donc des conflits, mais là on s'est bien entendu, on a bien géré tous ensemble, chacun savait ce qu'il avait à faire, que ce soit les gens qui mettent les score streaks de soutien, ou Mehdi qui couvre, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, ou Mehdi qui couvre MyTeamy lorsqu'il est en train d'utiliser ses streaks. Donc tout le monde a fait ce qu'il a à faire. Après il y a aussi le facteur chance. Qu'est-ce que j'entends pour le facteur chance? La connexion. Il y avait une bonne connexion sur cette game. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal, donc je suis content pour lui, d'autant plus qu'il a pas eu de lag de compensation, les gens tombaient, voilà quoi, il y avait une connexion vraiment potable, et ça je tiens à le souligner parce que c'est de plus en plus rare sur Call of Duty. Alors vous allez me dire ouais c'est bon, on n'a pas entendu pendant 8 mois, ils vont nous rabattre les oreilles avec le lag de compensation. Eh bien je pense que j'ai trouvé une vidéo en parlant du lag de compensation très très brièvement, j'ai trouvé une vidéo d'un américain qui en parle. On parlera de ça plus tard. Donc là le gameplay touche bientôt à sa fin, et je vais pas faire d'analyse tactique puisque c'est un ancien gameplay. Déjà c'est un vieux gameplay, donc y a pas grand chose à commenter, mais à part ça on est tout bon. Donc moi je vous dis à la prochaine, et je vous salue sur ce merveilleux score de 109-15. À plus les gens.